dans le souci de contribuer à l'autonomisation des femmes rurales productrices et transformatrices des produits agricoles des communes d'Adjoum par l'introduction de l'usage des énergies renouvelables et du concept de l'efficacité énergétique dans le processus de production et de transformation agricole, l'organisation non gouvernementale Le Puits de Jacob, en partenariat avec Ecrès CDAO, a inauguré un château d'eau et une station photovoltaïque réalisée à Kouta dans la commune d'Adjoum. C'est la salle de la délibération de la mairie d'Adjoum qui a abrité d'une part cette cérémonie ce vendredi 18 mars 2022. Pour la cérémonie d'inauguration du château d'eau, auquel sont annexés une station de pompage photovoltaïque et un système d'irrigation, ainsi que 6 lampadaires, dont 3 installés sur un site exploité par un autre groupement de femmes à Kateklikko dans la commune d'Avranco. Cette infrastructure, dont la réalisation a coûté 24 990 000 francs CFA, soit environ 38 152 euros, fait partie d'un projet cofinancé par le programme RECASEB, une initiative du gouvernement béninois. Ce projet vise à sensibiliser les membres des groupements ciblés à l'importance des énergies renouvelables dans leur quotidien pour leurs activités agricoles. Il vise ensuite à doter le site de Kouta d'une infrastructure composée d'un système de forage, d'une station photovoltaïque et d'irrigation ainsi que 3 lampadaires. Et enfin former 5 membres du groupement de Kouta à l'entretien et à la maintenance sommaire de la station de pompage photovoltaïque. Vous nous avez donné la preuve de votre responsabilité. Nous pouvons donc compter sur vous. Un comité communal de suivi a été mis en place. Il vous accompagnera certainement durant les prochaines semaines à venir. Je ne saurais finir ce mot sans remercier spécialement le maire de la commune d'Adjoum et les membres du conseil communal pour leur disponibilité durant tous ces mois à soutenir nos efforts chaque fois que nous avions eu besoin d'eux dans le cadre de ce projet que nous sommes en train de clôturer. Le représentant du maire Zanoubo Empêché remercie les responsables de l'ONG Le Puits de Jacob et profite de l'occasion pour exhorter les bénéficiaires à prendre soin de ce joyau. L'événement qui nous réunit ce jour est très significatif. Je voudrais me permettre donc, à cette étape de mon propos, d'adresser mes vives et sincères remerciements aux responsables de l'ONG pour cette importante réalisation qui va à coup sûr révolutionner les habitudes des populations en matière d'hygiène. À l'endroit des bénéficiaires, je les exhorte à prendre grand soin de cet ouvrage pour le bien-être de toute la communauté. La représentante du Centre régional pour les énergies renouvelables et Ecrès CDAO, très contente de la concrétisation de cette infrastructure, félicite le maître d'ouvrage et est plus que jamais décidée à travailler en partenariat pour ce genre de projet. C'est le premier projet réalisé et je suis très contente de dire que nous avons vu la maquette ainsi que la finalité. Tout s'est bien passé. J'aimerais féliciter le maître d'ouvrage et remercier aussi le maire pour son engagement envers les femmes rurales. Ce projet a transformé l'idée que nous avons de cette initiative en une réalité. Reconnaissante, la présidente du groupement Bénin Produits et Prix remercie les uns et les autres tout en promettant faire un bon usage. En mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres de la coopérative Bénin Produits et Prix,
témoigner de ma gratitude aux autorités de la communauté d'Adjoum, particulièrement à son Excellence Monsieur Zanoukbo François. Je voudrais cependant rendre un hommage particulier à la CDAO à travers son centre régional pour les énergies renouvelables et créé pour le financement de cette infrastructure. Un très bon usage en fera fait et sûr et que les objectifs escomptés seront atteints. Après cette phase, toute l'équipe s'est dirigée sur le site de Kpota où l'entrepreneur donne les explications sur le joyau. Le château comporte deux tanks de 5 mètres cubes, ça veut dire 2 fois 5000 litres, ce qui fait 10 000 litres. Avec un champ de 3600, avec une tête de forage qui permet le bon fonctionnement du système. La tête de forage est composée d'un compteur. Donc on peut déjà même voir quelle est la quantité d'eau que le site a déjà consommée depuis son installation grâce au compteur. Et il y a aussi un clapet anti-retour. Bien vrai, les pompes ont leur clapet anti-retour, mais nous nous prévoyons toujours sur tous nos systèmes de château un autre clapet anti-retour pour ne pas faire reposer l'eau en fait sur la pompe, pour lui laisser le temps de respirer, de durer et de durer plus. Les bénéficiaires sont très contentes. Nous sommes contentes du forage qu'ils nous ont fait parce qu'on a commencé les travaux maintenant et on voit que le site a commencé à s'améliorer maintenant à nouveau. Et on vous promet d'aller aussi plus avantage. Rappelons que ce projet est cofinancé par le programme RECASEMB, une initiative du gouvernement béninois. Bon vent à l'ONG Le Puits du Jacob.